les Condors du cégep Beauce-Appalaches ont travaillé tout l'hiver pour ce moment. À sa première vraie saison d'existence dans le circuit junior 3A du Québec, la formation Beauce Run se prépare à jouer pour le championnat. Ça fait longtemps que le staff travaille pour que le programme existe, justement, puis là, de voir que, tu sais, on a du succès, je pense que c'est vraiment cool pour tout le monde. Tout le monde a embarqué, tout le monde tire dans la même direction, puis c'est ça qui fait la différence dans ces éliminatoires. La fébrilité s'est emparée des joueurs, impatients de sauter sur la glace pour le premier match de la grande finale. On a joué toute l'année pour ça, puis oui, on a hâte que ça commence. Moi, j'ai hâte, tout le monde a hâte, puis on espère que ça aille bien. Les Condors de Beauce-Appalaches qui remportent le bol d'or. Cette même fébrilité, les joueurs de football des Condors l'ont vécu l'automne dernier. Ça a été une très belle année, saison parfaite, belle crowd, belle équipe. On a gagné tous nos matchs, puis on a fini avec un bol d'or. Fait que je pense qu'on peut pas espérer mieux comme première saison collégiale. Fait que pour vrai, c'était vraiment cool. On a décidé d'y aller à fond, tout simplement, que ce soit au niveau du football, au niveau du hockey. Ces succès, la direction du cégep s'en réjouit. Elle qui a décidé, il y a quelques années, d'investir dans ses équipes sportives. Je dirais qu'à partir de 2019, la direction du cégep a pris la décision de voir comment ils pouvaient développer le programme sportif. Donc, on a eu des discussions, on a élaboré des plans avec nos entraîneurs, avec Marc Loranger, avec Pierre-Alexandre Poulin, tous nos entraîneurs, de voir comment on veut amener nos programmes sportifs. C'est quoi les efforts qu'on a à mettre, les investissements, autant au niveau des infrastructures qu'au niveau des ressources. La création d'une équipe de hockey a été un moment marquant. Mais il fallait redresser le programme de football qui battait de l'aile en Division 2 et qu'on a relégué en Division 3. Oui, on est descendu en Division 3, mais on a dit on n'enlèvera pas d'efforts, on diminuera pas notre ardeur en football. Les Condors peuvent compter sur un nouvel atout majeur, cette salle d'entraînement inaugurée en 2020 où deux préparateurs physiques travaillent en permanence. On a une salle d'entraînement qui fait envier plusieurs universités au Québec. Aujourd'hui, bien, leurs plages d'entraînement sont à leur horaire. On ne leur remet pas un programme d'entraînement, puis on espère qu'ils s'entraînent. Ils sont supervisés par deux préparateurs physiques. Ça se passe le jour pendant qu'ils sont ici comme étudiants. Donc, c'est un contexte, honnêtement, presque parfait pour eux. Un contexte stimulant, surtout quand on a un titre à défendre. On est très motivé, je pense, tout le monde, à répéter notre exploit puis à prouver que c'était pas juste une année chanceuse. C'est sûr qu'être champion, c'est difficile, mais le rester, c'est encore plus difficile. Fait qu'on va continuer de jouer au foot, de travailler fort, puis de s'entraîner fort. Les joueurs de football vont aussi encourager l'équipe de hockey dans sa quête de championnat. Les joueurs de hockey ont été là à pas mal toutes nos games à la maison cet automne, puis nous, on va au plus de games qu'on peut pour les supporter. On va être là pour bardasser dans les estrades, c'est sûr et certain. C'est vraiment le fun. T'sais, on sent qu'il y a comme une famille. T'sais, tout le monde sent qu'ils supportent tout le monde, les enseignants même. T'sais, pas juste le football, le hockey, les autres sports. Tout le monde est impliqué, c'est vraiment le fun. Et les membres de l'équipe de hockey espèrent vivre les mêmes émotions que leurs confrères au football. Deux en deux, pour les Condors, ça serait merveilleux, mais je pense que, tu sais, quand ils ont gagné cet automne, l'équipe football, nous, ça nous a comme donné un petit aperçu de ce que ça pouvait réellement être si nous aussi on gagnait, puis c'est sûr qu'on veut répliquer ça, puis amener ça pour le cégep, là, ça serait merveilleux.